salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Alors, comme tu peux le voir, je suis en mode un peu différent, en mode vacances, travail en même temps, dans le sud. Et comme je me suis donné pour challenge de faire une vidéo par semaine, je vais essayer de rester fidèle à ces challenges. Et je vois que ça intéresse de plus en plus. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si tu regardes cette vidéo pour la première fois, bienvenue. Et n'oublie pas de cliquer sur abonner et sur la cloche de notification parce que ici, toujours dans la thématique de l'entrepreneuriat, notamment le VTC et le taxi. Et normalement, j'avais dit que j'allais faire aussi vacances des vidéos, mais une idée m'est venue. Je me suis souvenu un jour d'une phrase d'un collègue quand je lui ai dit que j'allais taxi. Il m'a dit non, et un proche comme ça là, il m'a dit franchement si c'est pour vieillir comme les anciens que je vois là, avec le dos en compote, c'est même pas la peine, je ne deviendrai jamais taxi. Et comme je suis en mode en même temps sportif depuis environ 2 ou 3 ans justement, quand il m'a dit ça, ça a fait tic, j'avais 94 kilos, je crois à l'époque il m'a dit ça, je venais juste de passer ma formation taxi, j'avais fait tout le nécessaire pour être taxi. Comme tu le sais, j'ai exercé un an de taxi. Je parle de ça pourquoi? Parce que là, il faut prendre le temps de prendre soin de toi. Hein, il faut prendre le temps d'aller au sauna, prendre le temps d'aller faire du sport, même s'il faut payer une piscine. Franchement, fais la facture à ta société, c'est pas grave. Fais la soirée, si ton comptable dit que ça n'a rien à voir, dis que en es-tu sûr que ça n'a rien à voir, c'est toi qui travailles. Donc ma pensée aujourd'hui, c'est une vidéo très rapide, parce que je vais courir un peu, faire le tour du village ici dans les montagnes. C'est une vidéo très rapide. Du coup, ma pensée, c'est de dire, en fait, c'est toi le meilleur actif de ta société. Ce n'est pas tes voitures, ce n'est pas ton compte en banque, je ne sais pas, tes investissements. C'est toi le meilleur actif. Donc, prends le temps de prendre soin de toi pour que tu ne sois pas comme vraiment, c'est vrai, ces anciens qu'on voit. Et ça peut, voilà, tu peux vraiment aller jusqu'à la retraite en étant en forme, tu vois. Je crois que c'est possible. Et pour ça, justement, il faut avoir des astuces, il faut mettre un programme en place. Ouais, va, je sais pas, moi j'aime pas ça forcément, mais va au salon de massage, fais la facture à la SASU, c'est pas grave. Si ton comptable dit, il faut l'amener au tribunal, ton comptable. Je vais aussi rappeler par la même occasion, parce que beaucoup de questions me sont posées par rapport au comptable. Rappelle-toi que c'est toi le patron. C'est toi, tu es le client du comptable. Donc c'est toi, si ton comptable ne veut pas faire certaines choses, tu peux claquer la porte et aller chercher un autre comptable qui va mieux te comprendre. Donc, c'est toi le président de la SASU, de la société ou le dirigeant. Ce n'est pas ton comptable qui décide pour toi. Ceci dit, voilà, il faut l'expliquer comme quoi tu as aussi besoin. C'est toi qui travailles derrière le volant, c'est toi qui travailles derrière ton entreprise. Donc, ça fait partie. Prends soin de ton corps. Aller à une séance de massage, c'est encore beaucoup mieux que d'aller même manger au restaurant. En gros, pour faire vite, en fait, c'est une vidéo assez spéciale. Hein. Mais est très important parce que si tu n'es pas là, ton entreprise ne va pas fonctionner. Si tu n'es pas en forme, ton entreprise ne va pas fonctionner. Donc, il faut prendre soin de toi. Il faut que tu prévois les séances de sport. Désolé, c'est la première fois que je fais une vidéo en marchant que je vais publier. Enfin, c'est pas la première fois, mais c'est quand même la première fois. Voilà, que je vais publier. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais comprends le... Je suis toujours dans le sujet. En fait, comprends le sens de mon intervention cette semaine, de la cette vidéo, c'est toi le meilleur actif. En même temps, je t'ai fait un peu profiter un peu du paysage, joli paysage. Tu vois, tu ne peux pas venir ici même ne serait-ce que 2 jours et retourner à Paris étant la même personne. Quand tu retournes à Paris étant la même, étant une autre personne, tu retournes avec les idées plus claires, afin justement de pouvoir développer ton activité, afin maintenant de pouvoir mieux travailler parce que tu as pris soin de toi, tu es plus zen au fait. Et le bien-être dans l'entrepreneuriat, avec tout le stress que nous subissons, le bien-être est primordial. Donc travaille sur ton bien-être, travaille sur la zen attitude, investis en toi-même, c'est aussi ça, c'est de te payer une science, une salle de sport, pour pouvoir justement exercer une activité sportive, tu vois. Investir à toi-même, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est de te payer des livres de formation, des livres business.
c'est de passer des week-ends comme ça, c'est de prendre le temps de faire pause et d'aller un peu en vacances, d'aller dans des endroits peu communs, tu vois, quitter un peu le brouhaha des Parisiens, là, tu vois, quitter un peu le stress, la pollution, et aller justement faire le tour, un peu le tour de la France. Même si ce n'est pas le tour du monde, c'est quand même le tour de la France. Après, tu pourras faire le tour du monde, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, prends le temps justement de t'occuper aussi bien comme il faut. Je vais m'arrêter dans cette vidéo. Encore une fois, pour répondre à cette question qui revient le plus souvent, n'oubliez pas que c'est vous les patrons de vos comptables. Je le dirais comme ça, c'est vous les clients de vos comptables. Donc, si vos comptables ne veulent pas faire certaines choses, n'hésitez pas de les changer ou de les écrire en disant que dans la loi, il est prévu que j'ai droit à ça. Monsieur le comptable, donc, vous n'avez aucune raison de m'interdire de faire cela. Sur ce, prenez soin de vous. Ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez bien. Ceux qui sont au charbon, ceux qui travaillent aussi, travaillez à fond et prévoyez ça. Planifiez vos vacances, planifiez le repos parce qu'on en a besoin pour justement pouvoir charbonner. You know, ok, à plus tard, ciao, ciao, bye bye.